Dans ce tutoriel, nous allons voir comment, avec les outils de sélection disponibles dans GIMP, nous allons pouvoir extraire une partie de cette photo. Je vais prendre ici le lasso et découper cette tour en faisant une ligne polygonale, comme ceci, qui va me permettre de découper l'image en suivant les contours de la tour. À la fin, on double-clique pour fermer la zone, comme ceci. Je vérifie quand même que j'ai lissé les bords, ici que j'ai adouci. 10 comme valeur, c'est très bien. Je vais faire un copier et ensuite je vais dans le menu édition et je vais coller cette partie comme une nouvelle image. Je me retrouve désormais avec la tour que je vais exporter au format PNG. Donc soit exporter vert, soit exporter. Si je choisis exporter vert, et je vais mettre par exemple le document numéro 2. Comme ceci, je clique sur exporter, voilà. Désormais, maintenant, si j'ai un traitement de texte, je vais pouvoir mettre la tour ici dans le traitement de texte et constituer maintenant mes pièces de puzzle. Hein, ici, vous voyez que j'ai découpé un quai, ici ma tour. Et je peux, comme j'ai découpé cette zone et préserver la transparence, je peux superposer les pièces comme ceci. Donc on peut constituer désormais un jeu et une reconstitution d'éléments à partir de ces différentes pièces.